Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Raphaël, j'ai 19 ans et je suis dysgraphique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une journée type d'étudiant en BTS première année. Je vous propose de m'accompagner dans cette journée. Pour commencer, la dysgraphie, ce n'est pas un handicap visible, c'est un trouble mental. Celle-ci n'est pas contraignante dans ma vie au quotidien, comme pour conduire, marcher ou bien manger. C'est, en quelques mots, un trouble qui affecte l'écriture et son tracé. L'écriture manuscrite est soit trop lente, soit illisible ou bien fatigante. Dans mon cas personnel, c'est fatigant et donc lent. Elle me demande un effort cognitif majeur. Par conséquent, j'utilise un ordinateur portable pour m'accompagner au quotidien. Celui-ci est autorisé lors d'épreuves nationales, comme pour le bac, le brevet ou bien le BTS. Durant ces examens, j'ai accès à un tiers-temps. Il me permet de rendre mon test en temps et en heure. La dysgraphie ne m'empêche pas d'avoir une vie extérieure. Ce handicap ne m'empêche pas de prendre la parole devant la classe ou bien de faire des présentations à l'oral. Le handicap n'est pas forcément visible. Certains, comme la dysgraphie, peuvent être d'ordre mental et ne se voient pas toujours. Nous devrions accepter tout le monde car tout n'est pas toujours visible. Donc n'ayez pas peur de continuer vos études si vous êtes dans le même cas que moi.